Bonjour, donc je m'appelle Céline Perret. Eh bien, je pense que certaines personnes doivent me reconnaître. Je suis la chanteuse lyrique de la France. Ça a un incroyable talent. Animatrice en supermarché dans la vie, chanteuse lyrique à la télévision. Céline Perret a terminé quatrième fin 2009 d'incroyable talent, tout comme les écoliers, lauréats du concours. La jeune femme habite Sourcieux-les-Mines. Si Céline n'en vit pas, l'art lyrique, en tout cas, est sa passion depuis l'enfance. J'ai fait effectivement la maîtrise de l'Opéra de Lyon jusqu'à mes 19 ans. Et en parallèle de 14 ans à donc 22 ans, j'ai fait le conservatoire de musique de région de Lyon. Donc effectivement, j'ai commencé par les animations commerciales pour pouvoir me payer des partitions, des petits cours de chant aussi extérieurs au conservatoire pour m'améliorer encore plus. Une perle rare qui sort de l'anonymat, une histoire qui n'est pas sans rappeler le succès d'une certaine Susan Boyle en Angleterre. Une comparaison qui n'est pas du goût de Céline Perret. On a tous une personnalité différente. Moi, j'aime pas. C'est vrai qu'en France, on est beaucoup sur les comparatifs. Et moi, je dis un artiste, on ne compare pas à un autre. On s'exprime différemment. Et moi, ça me gêne un peu parce que moi, je suis moi-même. Et je ne copie pas, par exemple, sur une autre personne. Depuis son passage à la télévision, Céline a fait la première partie des Écoliers dans une salle parisienne. Cantatrice jusque-là anonyme, la jeune femme espère bien apporter le souffle de jeunesse qui manque à l'art lyrique. Les jeunes maintenant ne pensent que l'opéra, c'est quelque chose de vieillot, c'est quelque chose que les grands-parents écoutent, que les chanteuses, c'est des castafiores, comme on dirait, comme Tintin. Et en fait, pas du tout. À part Chiméra, qui a vraiment, dans les années 80, vraiment modernisé l'opéra, il n'y en a plus maintenant de femmes. Il n'y a que des hommes pour l'instant, donc j'aimerais bien représenter les femmes de ce côté-là. Céline a bouleversé le public et lui reste à séduire par la voix un producteur. Des contacts existent, mais pour l'instant, rien n'est signé.